muchachos, ¿qué se pasa? Bon, mon chéri. Est-ce que quelqu'un sait où est le bouton pour arrêter cette fichue alarme? C'est quoi les problèmes là? Où est-ce Mais qu'on où est est? passé le pilote? Oh. Est-ce qu'on est? Voilà, Qu'est-ce que je voilà. fais dans cette piscine? Ben, je sais pas, moi je viens de me réveiller. Et toi, t'étais où? Bon, je m'endormais, je fais un mauvais rêve. Écoutez, j'ai payé une blinde pour cette croisière, j'aimerais quand même que ça marche. Ah, parce que vous, vous savez où est-ce qu'on est, ah du oui. coup. Parce que nous, on vient de se réveiller, nous, on on sait vient de pas. se réveiller. On était chez nous. On comprend pas, là. On sait pas où on est. Du coup, dites-nous, où est-ce qu'on est? Bah, croisière pour aller à Terra. Si. Nous devrions nous rassembler quelque part. Et normalement, on a une escale oui. sur Paradis. Je vous propose de vous rassembler à la statue, dans le hall. Écoutez, je dormais dans ma chambre. Dites pas que nous avons été attaqués par ces infâmes pirates. Pirates, vous dites. Si on avait été attaqué par, si on avait été attaqué par les pirates, on serait déjà plus en vie. Donc, ce qui est étonnant, c'est la disparition de l'équipage. Ah oui, il y a quelqu'un de l'équipage ici. Voilà. Je vous tiens tous. Vous ne partirez pas d'ici vivants. C'est quoi ce bordel? Qui c'est qui va voir? Mais d'où est-ce que ça venait ça? Ah ouais, allez voir où? D'où est-ce que ça pouvait venir? Ça venait du pont? Oui, je vois à travers les hublots, on est posé sur un terrain hostile. On sent, mais où est-ce qu'on a pu atterrir? Est-ce que quelqu'un sait quel planète on est? Bah, on peut aller à la cabine du capitaine, peut-être que... Il est en train. Ah, c'est vrai, la cabine du capitaine. Où est-ce... Et où est-ce qu'elle se situe dans ce vaisseau? C'est simple, c'est tout à l'arrière. Sur l'étage supérieur. Supérieur. Ah. Il y a des objets bizarres ici. Alors dans la cabine du capitaine, il y a plusieurs multitools. Regardez, sûrement nous aider. Il y a l'air aussi d'y avoir des sortes de combinaisons, peut-être si à l'avenir on doit sortir du vaisseau, elles pourront être très fortes. Oui, c'est peut-être plus raisonnable de les survivre avec les Undersuites. Ah oui, Undersuites, mais c'est pas un travail pour moi ça. J'ai trouvé un vaisseau dans le hangar du vaisseau. Très bien. Il m'a l'air abandonné. Il m'a l'air abandonné et en bon état. Vous savez le piloter? Vous pouvez le faire démarrer? Vous ne partirez pas d'ici. J'ai tout enlevé de ce vaisseau. Débrouillez-vous avant que je vous trouve. Ça commence à devenir inquiétant ces messages-là. Oui, il a peut-être se dépêcher là. Il va nous arriver quelque chose. C'est pas super comme blague, hein. Si quelqu'un. Non, il faut vite évacuer. Je pense que s'enfuir, c'est. C'est bien. Et le vaisseau qu'on a, on a trouvé dans le hangar. Vous avez réussi à le démarrer? La petite voix là à l'interphone disait que tous les modules du vaisseau ont été retirés. On a réussi à rouvrir une trappe, on peut descendre sur la planète. Si on doit être en territoire hostile, on peut peut-être mettre un casque. Vous avez trouvé des casques? Est-ce qu'on peut respirer sur cette planète? Cher ami Zravi va nous le dire. Comment on envoie un cobaye, c'est ça? Comment tu te sens? Ça va? Monsieur Dravi, comment allez-vous? Vous vous sentez bien? Vous marchez pas très droit là. C'est un peu fou là. Vous êtes sûr que vous voulez pas remonter là? Je suis un peu barbouillé. Ouais, remonter, je pense que c'est peut-être une meilleure idée. Remonter. Voilà. Il tangue un peu le monsieur là. Vous êtes allé au bar? Non, j'ai été drogué. J'ai reçu des trucs. Moi, je préfère retourner dans la salle du capitaine et je vais m'équiper pour sortir. Ouais, j'ai pas trop confiance ici, moi. Attends-moi, Toto, j'arrive! Parce que moi, ça me fait très peur, là, les messages depuis tout à l'heure. J'ai envie de sortir tout de suite. Oui, j'ai envie de me barrer d'ici très vite aussi. Oui. J'ai trouvé un multitool. Il y a un problème, j'ai vu un fantôme. Comment ça? Ici, un fantôme. Racontez n'importe quoi, les fantômes n'existent pas, voyons. À côté du bar, il y a une porte dérobée. L'homme que j'ai vu est disparu en passant à travers. Ah. À côté du bar? Un passage secret. Fuyez avant que je vous touche, avant que je me délecte de vous. Monsieur, dans l'ascenseur. Oui, voilà. Moi, je veux vite sortir. Bon, vu que personne prend l'ascenseur, moi, je sors vite. Il me fait très peur, le monsieur là. Le beau gosse torse nu, c'est. Inconus, voilà. Inconus, enchanté. Inconus, bon voilà, vous me connaissez peut-être pour ma fortune. Voilà, je me suis payé une petite croisière, mais c'est un peu mal viré. Et je me retrouve coincé avec vous.
un peu paumé au milieu de ses ploucs, là, pardon, des collègues. Vous traitez de gueux ou je rêve? J'ai jamais dit ça, non. On a payé aussi pour cette croisière, mon cher. C'est normal qu'il le prenne. Ah, vous avez payé pour cette croisière? Par contre, oui, je veux pas vous inquiéter, mais il y a peut-être quelqu'un qui nous veut beaucoup de mal et on est tous là en train de se parler calmement. Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée? Le seul moyen de partir d'ici, c'est votre petit vaisseau de bacatille. Mais il n'y a plus rien dedans. J'ai tout retiré, tout planqué. Mais je vais vous trouver et vous manger. Ouais, faut peut-être aller chercher ce. Hein. Bon, comment on dit? On a un problème, on a déjà trouvé un cadavre. J'ai trouvé un deuxième cadavre. Oh mon dieu! Oh merde, des cadavres de partout, oula! Mais comment ça, des cadavres? Qui est mort? Tuez-moi! Il faut absolument qu'on reste groupé. L'union fait la force. Bon, nous on va tenter une excursion. Oula! Oula! Oh, j'aime pas ça du tout. Ah ouais, bougez pas trop, s'il vous plaît. Là, sans se faire. J'ai couvert 500 mètres sur la droite du vaisseau, 4 km cubes, je crois. Il n'y a rien, rien aux alentours. J'ai juste trouvé un caillou avec une forme de visage. Je pense que ce sera mon seul ami dans cette croisière. C'était un visage gentil ou méchant? Je sais pas, il change d'expression régulièrement. Ah bon sang, si seulement cette voix avait pu nous donner des indications sur comment se barrer d'ici. Hein. En attendant, on cherche toujours les gueule. Je vais te manger plutôt que de t'aider. Écoutez, j'ai un diplôme en psychologie inverse, je vais vous dire. Franchement, monsieur Lavoie, c'est quand même plus fun de nous courir après pendant qu'on est paniqué dehors, en train de courir dans tous les sens, dispersé. Voilà, on cède la place à la panique. Si j'étais vous, je me permettrais, hein, mais je dirais où sont les équipements qui nous permettent de sortir. Comme ça, on se disperserait et vous pourriez nous chasser et assouvir vos plaisirs sadiques. Tu veux un indice? Eh ben viens me voir, je te mange et je te donnerai ton indice. Ah non, je suis désolé, je vous fais pas confiance. Hein. Les psychopathes qui mettent des haut-parleurs en dehors de vaisseau pour... comme ça, je retournerai pas là. Maintenant, c'est dans les coins les plus sombres qu'on trouve les grandes choses. Oh bon sang, je viens dessus. Alors... J'ai pas encore mangé d'herbe. Mon caillou est en train de dormir, mais je crois que je viens de voir un ours rentrer dans un trou. À 100 mètres à bâbord du vaisseau de croisière. Je me sens un peu seul. Alors, dehors. Je crois que l'ours vient de rôter dans la grotte. Pour ceux qui sont encore dehors à la surface, je crois que j'ai trouvé un gros trou. Et une personne mystérieuse... Je l'ai vu pénétrer dans l'espèce de gros trou et mon caillou me dit de le suivre, donc Vous n'êtes... Encore. Ça fait beaucoup là, non? Oui, mais encore. Vous n'êtes pas prêt. Je peux le faire. Allez la bébête. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ça nous a invités aussi. Hein. Écoutez, je crois que mon caillou me dit d'aller dedans, donc je pense que je vais prendre ce légume indigène. Fais gaffe à la dysenterie. Hein. Vous êtes tous. Et moi, j'ai l'impression qu'on est moins nombreux que tout à l'heure. One eternity later. S'il vous plaît, un petit peu d'assistance. Je suis tombé au fond du trou qui est situé à 100 mètres à gauche du vaisseau, en haut à gauche du vaisseau. Je suis pas loin, Inconnus. J'arrive, mais j'attends les autres. Ne t'inquiète pas, on n'est pas loin. On est loin, mais on n'a pas d'arbre, comment? Ah. Du coup, c'est là, mais c'est pas là, c'est ça. Ok, elle est petite ta grotte, hein. Oui, c'est vrai. Ici, là. Sérieux, quoi. Là, t'es parti dans un trou de top, il croyait que c'était une grotte. Je croyais qu'on avait trouvé, ouais. Il y a une tempête de poussière, on saurait où se mettre. Enregistre bien ça, Zip. Quel mec qui trouve un trou, vous voyez, c'est une grotte. Ouais, c'est gigantesque. Non, c'est un trou de top. Il est content. Il n'y a pas. Mais c'est gigantesque. Il n'y a pas tellement besoin de manteau. Enfin, c'est éclairé par le soleil. Six and a half hours later. Oh, merci Nico. Vous aurez une prime à la fin. Il t'autorise dans ma direction. Oh. Reviens, reviens. Il s'est passé un truc de dingue. Laissez-moi vous expliquer. Je suis tombé au fond du trou. J'ai fait tomber ma pierre. Et j'étais là immobilisé en attendant que mes camarades viennent me sauver.
Et là, la tipa que je vois débarquer, une personne qui commence à me torturer, à me triturer dans tous les sens. Je m'évanouis, je perds conscience. J'essaye d'avoir des éclairs de lucidité. Et là, je me retrouve au fond de la grotte jusqu'à ce que Monsieur Nico vienne me récupérer et me sauver. Oh, mon caillou, merci. Est-ce que vous l'avez trouvé, c'est un miracle. Mon caillou, est-ce que tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Il mange bien, ce truc-là. Oh, mon caillou. Ah, j'ai enfin pu sortir. Il y a quelque chose dans cette grotte. Hein. Elle m'a agressé. J'ai pu m'échapper, mais... Moi, je dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Généralement, là où il y a du danger, c'est là où il y a l'objectif. Et tout à l'heure, n'oubliez pas ce qu'a dit le méchant. Là où il y a de l'ombre, il y a de grandes choses. Il y a de la lumière. Oui. Bon. Allons-y. Alors, les gens avec les lampes torches en premier, s'il vous plaît. C'est ça, la jeune année. On est quand même mieux dans la grotte qu'à l'extérieur. Allez, moi, ça repart. Je pars mieux. Je vois rien. Regardez, il y a comme un... Je vois rien non plus. Oula. Oh. Vous entendez? C'est quoi, ça? Les lampes torches sont où? Alors, j'ai découvert un truc, c'est que c'est pas par là. Ah. Bon, il reste de l'autre côté. C'est mieux que rien. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est l'enfer, putain, ici. Il est où l'autre composant? Là. Il est resté. Je suis en bas, moi. Je vois rien, je suis perdu. Tu vois les pierres que j'ai posées dedans ou pas? Et je lui envoie une verte. Ouais. Faut aller à la bleue pour sortir de la grotte, mais... Y a pas beaucoup de cris, hein, quand vous faites poursuivre par l'ours, hein, je trouve. Le monsieur qui est par terre, là, il est encore vivant? Ça a pas l'air de vous déranger plus que ça. Les cris vont arriver très vite. Tracteur Beam, j'ai réussi à prendre les flares avec. Je vais rajouter un peu de challenge. Oula. Bon, ceux qui sont au courant de où sont les. Les composants. Ah bah, il est tombé le composant, il est tombé en bas là. Putain. Alors celui-là pourrait le rechercher, HRP. Compliqué. Non, Tracteur Beam, c'est bon. Bah, que Tracteur Beam, il faut. Mais qui a un Tracteur Beam sur lui? Moi. Vas-y, Toto, t'es où? Mais je suis en bas à l'entrée de la grotte là. J'ai. HRP, ah oui, j'en ai également. J'arrive. Ah bah non, mais l'ours il est en train de nous piquer le tracteur. Il est en train de nous piquer le composant là. Mon caillou, est-ce que je prends le composant? Il est en bas là, avec l'ours là. On s'en il est avec l'ours. Ah il s'est fait manger. Ah bah les capoutes. Il s'est fait bouffer par l'ours. Oh l'ours est là. Ah les enfoirés. C'est bon, on l'a piqué. Aïe. Il faudrait peut-être tracteur d'immer. Quelqu'un a un tracteur beam pour récupérer le beau gosse torse nu là? Alors moi, oui. Là, il est là. 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 Lui là? Ouais, voilà. Voilà, ouais, soignez-le. Soignez-le. Il est passé où l'ours? Ah, il est là, il est là. Ouh. Il est là, il est là. Gardez-le à l'œil, hein, ce qui nous. Ouais, je surveille, t'inquiète. Oh, il arrive. Ah, il arrive. Cassez-vous. J'arrive pas à sortir mon outil, j'arrive pas à utiliser mon outil, je suis blessé ah au bras. Ah bah ça c'est ton problème. Chacun sa merde. Allez. Chacun sa merde. Allez. Sortez de là. Sortez. Tout le monde ici. Prenez la clé. Comment on fait pour ressortir? Et Goruf, il fait quoi Goruf? Goruf, il est post-traumatique là. Je l'ai. Ah non, et Goruf, il a un drôle de truc, il a une drôle de tête, hein, Goruf. Bah ouais, je sais pas ce qu'il a là. Il est où Goruf? Il est là au sol. Il a été contaminé, Goruf. Écartez-vous de lui. Attendez, je vais pas le remonter devant le vaisseau. Il est contaminé, moi. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Venez toucher mes acolytes, venez. Vite, retournez au vaisseau, vite. On va lui toucher les acolytes, tu vas voir. J'ai ouvert la soute. On a combien de composants, là, pour le... Un point devant le nomade. Oh, wesh. Désolé pour vous, mais je crois qu'il va falloir le faire piquer maintenant. On est plus que 5. Bah 5 ça devrait le faire.
Allez, on se démonte pas. On a encore deux composants à récupérer. On attend les derniers, là. C'est bon, ça a HRP 5. Moi, j'en ai eu attrapé que 2. Hein, donc, vous êtes tués tout seuls, les mecs. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6. 6, 7. Ah, voilà. Ils sont peut-être réveillés de leur rêve. Hein. Perso, j'ai une mise en haut. Hein. Et celui-là, ça va être juste pour vous. Hein. Ils ont mangé des trucs toxiques. Ah, la vache. Ok. Là, faut aller par là. Ouais, c'est... Ah, j'ai trouvé un med gun. Gauf, si tu savais pas, j'étais... Fais attention, je voulais déjà... quelque chose. Attention, il est peut-être encore là. Dravi, j'ai vu des yeux rouges pas loin de toi. Hein. J'ai peur. T'as peur. Je pense que les derniers composants doivent être en bas, mais il y a un truc bizarre en bas. Là, il y a des trucs qui tombent. Ouais, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ouh, attention, on est pas si vite. Oh, c'est cool, le sort, ça se bite. Quelqu'un donc pas, j'habite. Quelqu'un avec une lampe torche, s'il vous plaît. C'est saut 80. Allez, c'est parti. passe le petit passage sombre. Non, ne me coupez pas le bras, non, non. Ah. fouillez bien de partout. Il y a une bébête, il y a une bébête. Je la prends. Il y a une boule de pétanque. On peut pas la prendre. Ah, mais non. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce que tout le monde a suivi et a pris le petit chemin? Oui. Super. Je suis sans bras, j'ai plus de chocolat. Comment ça, sans bras? Bah, pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Qui c'est qui m'a poussé? Ouais, je t'ai vu passer de... qui est derrière. Oula, ça pue. Ça sent l'ours. Ça sent l'ours. Ils sont pas censés être en hibernation. Autant de Fennec. Ah, mais vous l'avez réveillé, bande de fous! La faim! Ils l'ont réveillé. C'est vrai, on n'aurait pas dû le réveiller. Ah, bah non. Pour moi. Donnez-lui du miel. Winnie l'ourson, c'est vous? Il est là, j'ai trouvé! Il y a l'ours! Faites gaffe! Barrez-vous! L'ours, t'entends? Il est en bas! Il est en train de lui courir après tout. Merde. Si je te donne 3 de mes coéquipiers, tu me laisseras tranquille. Oh, l'enfoiré. Je l'ai vu. Il a mangé quelqu'un. T'as raison, dans le vaisseau. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Des points de départ, là. Ah oui. Putain, on est où, là? C'est où la sortie? Putain, on est perdu. Ah, il est tombé. Ah, je suis tombé, sa mère. C'est bon, je suis pas mort. Ah. Je me suis pris un coup de composant. Ah, putain. Il est Thérèse. Oh, putain. Ah. Il a piqué son arme. Ah, il y a un caméraman qui est tombé. Il s'est mangé le composant. Dans c'est le ça, composant. J'ai peur qu'on ne sorte jamais de cette grotte. Trouver le composant, c'était pas le plus dur. C'est de le sortir. C'est ça. T'inquiétez pas, en 4.0, on aura les cartes. Ouais. En attendant, on n'est pas encore sorti. Elle fait un beacon. Hein. Elle claque un beacon, terminé. En fait, c'était un humain normal. Il essaie de se nourrir. Il survit en mangeant les gars qui viennent le sauver avec les bifs. Ouais. Là, ça ressemblerait à... Oh, la boîte, elle est tombée. Non, la boîte est au fond, c'est ça? Non. Ah oui, elle est tout au fond, là. Oh, putain. Bon, bah, vous êtes mort. Non, on peut la récupérer.
Ah, tu dois pouvoir, ouais. Elle est où, mon cadavre, ça? C'est bon, je l'ai. Poussez pas, là. Il y a un mec qui vient de tomber, là. Ah, on m'a poussé. Il y a l'ours. Vilain ours. Vilain. Ah putain, je suis tombé aussi. Ne me sortirez pas d'ici vivant, je vous le dis. Ah là là. Vilain. Vilain. Et l'ours, on a vu ta mère chez Toys R Us. Méchant. Oh, ça m'aurait pas pu. Mimi. Ah. Bon. J'ai glissé le chef. On avait perdu le caméraman. Il propose. Ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Eh bien, messieurs, j'annonce la fin de l'event. Ok. Donc, les survivants ont réussi à récupérer tous les composants. On va vous l'accorder. Hein. C'est sympa. Même avec 5 minutes de retard, c'est validé. T'es con, j'arrive presque à la sortie de la grotte. Ah non, avec toi, tu tout ce que j'ai bouffé, vous avez réussi quand même. Dove, super merci pour la préparation de l'event. Ouais, c'était trop cool. Ouais, c'est pas évident. Félicitations, oui. Ouais, non, c'est jamais évident ces events-là. Malgré les petits bugs qu'on a quand même eu. Franchement, ça va pour ce soir. Ah, là, pour oh, globalement, un peu de son et les caisses, bon. Mais à part ça, tout était, je pense, bien réussi. On a pas eu d'écho dans le groupe, il me semble. Non, j'ai pas eu de. Au début, il a fallu relancer, mais. Pas de 30K, pas de crash. Ouais, ça va. Non, c'était très bien. Pour un event, c'est rare que ça arrive. Ouais. Avec autant de monde, ouais. Ouais, non, top. Merci de vous pour l'event. Attends, te mets pas devant, juste deux secondes, on fait des prises de vue en même temps. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais dégage. Ouais, je m'enlève. Casse-toi. Dégage. Casse-toi, tu iras te soigner plus tard, merde.